Le père de Candide Renard de Koh-Lanta fait parler de lui à cause d'un coup de sang sélectionneur de l'équipe du Maroc pour la Coupe du Monde. Hervé Renard a très mal vécu la défaite de son équipe, 1-0, contre le Portugal. Il l'a fait savoir au micro de la chaîne beIN Sports juste après la rencontre. Le papa de Candide Renard n'est pas du genre à mâcher ses mots. Hervé Renard est un homme de caractère. Il l'a prouvé tout au long de sa carrière de joueur de football puis en tant qu'entraîneur. Il l'a confirmé dernièrement en soutenant sa fille, Candide, prise dans la tourmente de l'affaire Koh-Lanta. Ayant réussi à qualifier le Maroc pour la Coupe du Monde qui se déroule actuellement en Russie, il rêvait d'un beau parcours pour ce pays qu'il aime tant. Cristiano Ronaldo et le Portugal ont douché ses espoirs. Il faut féliciter le public. Et puis tous les joueurs. Parce qu'ils ont été fantastiques, a déclaré le Savoyard après le match. Mimant un écran télé avec ses mains, il a alors cette phrase, et juste regardez le corner, le numéro 3. Et puis tout est dit, avant de filer au vestiaire. Après le match, il a précisé sa pensée à l'agence France Presse « Je voudrais que vous ayez la franchise de l'écrire, que vous regardiez le corner sur lequel le Portugal marque, le numéro 3 portugais, Pepe. Faites votre analyse et écrivez la vérité. On a un homme de base à terre, et quand on fait faute sur votre homme de base, vous pouvez avoir Ronaldo qui surgit et marque, mimait. Il avait déjà fermement exprimé son opinion concernant sa fille qui assure avoir été agressée sexuellement sur Koh-Lanta. Justice sera faite et l'honneur de ma fille sera rétabli face aux calomnies et divers mensonges à son égard. Le match ne fait que commencer, crédit photo, Bestimage chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail recevoir veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site.